Nous allons encore parler de El-Sisi, qui a été enlevé à la maison centrale, transféré par le CNRD dans la prison de Kindia. Vous savez, le plus souvent, ce sont des criminels qu'on envoie dans cette prison à Kindia. Vous vous rappelez du célèbre gang, le groupe des Mathias? Quand ils ont fini de les juger, ils les ont envoyés là-bas. Donc, la prison de Kindia est connue pour ça. Mais, comme il y a des aigris dans la vie, El-Sisi n'a pas tenu de propos contre le CNRD, vous allez dire. El-Sisi, c'est un alphaïs comme nous. Il n'est pas membre du bureau politique du RPG. Il n'est pas membre du bureau politique du RPG. Un simple alphaïste. Ils l'ont arrêté, le gardé. Il n'y avait même pas de preuves contre lui. Ils l'ont jeté en prison. Mais comme les Bala Samoura, ils sont aigris. Et il y a des gens aussi. Nyangbolu. Ils ont dit non, il faut enlever El-Sisi de l'autre côté. Ils ont pris El-Sisi, ils l'ont envoyé à Kindia. Le type, il est malade. El-Sisi est malade. Depuis hier nuit, c'est-à-dire, son médecin est en train de tout faire pour qu'on l'envoie à l'hôpital. Ces gens la refusent. Bala Samoura, il faut refuser. Hein, El-Sisi est ça, Alboro. Vous pensez que le pouvoir est éternel? El-Sisi m'a mon foi, à ma morfata, à ma manifestation qu'est. Son amour, son soutien au président Fakonde, oh là, trop là, c'est ce qui vous dérange. Il était à la maison centrale à Conakry. Vous le prenez, vous l'envoyez. Parce que Nyangbolu. Moi, c'est pourquoi je ne peux pas vous aimer. Attendez, il y a un imbécile ici, là. Toi, on parle de sérieux, toi, tu ris. Attendez. Tu ne vas plus voir moi, ma page. Oh, allez, hasard, c'est fini pour toi. Ça, je vous le dis, hein. Moi, c'est pourquoi quand les gens viennent vers moi, en dessous, laissent tomber, ils s'abarient des trucs. C'est pourquoi je dis, je ne peux pas laisser ces gens-là. Manyangoye Kamankakadrouminoubo, Bala Samoura, Amara, Idi Amin, Doumbouya, Manyangoye Kamla Régime, bo. Des traites seulement. Altate Fossi Nyangouya, que les gens ne doivent pas exprimer leur soutien au président Fakonde. Moi, quelqu'un qui a tout fait pour vous. Maintenant, vous prenez le gars, vous l'envoyez à Kindia, juste pour le faire souffrir. Aïe Toro Nyamika. Mais, Beïta Likela. Le dernier mot revient à Allah Subhanahu wa Ta'ala. Le dernier mot revient. À Allah subhanahu wa ta'ala. Le type est malade aujourd'hui. Son avocat demande à ce que on l'évacue à l'hôpital. Il refuse de le faire. Mais le bon Dieu a le dernier mot. Le bon Dieu a le dernier mot. Cambrema Foske. Fouille les mouvements de soutien. Des gens pour dire le président Fakonde, ça vous dérange. Où est la démocratie? Où est la démocratie? Où est la démocratie? Allez, Kamere Takatabla, Bandilou Mofoala, lui est diamno. Altemalo y a la fou. Mais le premier responsable, c'est toi, Bala Samoura. Allah Petignambo, Mankade, escro minou ya alkowe. Escro minou ya alkowe. Pour mentir. Mais Anyewa Matou. Adike benya kroya, inshallah adike benya kroya, Allah pouvami, abra benalumina, al dali resoulo. Je vous ai dit, vous faites du mal aujourd'hui, ça va vous suivre demain. Vous faites du bien, albra nyuma kela moloula, sini, dolbra na lafana, al da nyuma kalinye. Vous faites le mal à d'autres aujourd'hui, demain ils vont vous faire du mal. Pendant ce temps, vous, vos enfants sont à l'étranger. Des innocents. La dernière fois, ils ont pris. Et chaque enfant, on sait comment Aluka chaque enfant Blanyamka. À cause de vos intérêts, on sait comment vous avez libéré chaque enfant. On sait comment ça s'est passé. Malta et Nyangboyali. On sait comment vous avez libéré chaque enfant. Vous avez attrapé chaque enfant dans les mêmes contextes.
parce qu'il vous dérangeait. Mais on sait comment vous l'avez libéré. Maintenant, El Sisi, non. Vous refusez de libérer El Sisi. Vous refusez de libérer Guido Fulbe. C'est pareil pour Guido Fulbe. Il y a quoi dans le dossier? Vous venez dire aux gens que non, il a menacé le régime du président Alpha Condé. Et vous qui avez tué la garde présidentielle? Et vous qui avez tué la garde présidentielle? Et vous qui avez fait le coup d'État? On garde Guido Fulbe parce que vous savez qu'il ne va jamais vous soutenir. Maintenant, vous le gardez. Conan, c'est depuis le temps d'Alpha Condé. Vous êtes venu libérer tous les prisonniers. Autant, ça dit tous les prisonniers. Du temps du président Alpha Condé. Vous les avez tous libérés. Maintenant, pourquoi vous gardez Guido Fulbe? Guido Fulbe qui était en Guinée, au temps du président Alpha Condé, on ne l'a pas arrêté. Pour tout ce qu'il a dit. Ça dit, Altal Kounabaré, un jour, travaillez la tête à un moment donné. Vous n'avez pas honte de ce que vous êtes en train de faire? Vous n'avez pas honte, le CNRD, parce que vous êtes passé par tous les moyens pour convaincre El Sisi de vous soutenir. Et Dignette, Yves Alpha, c'est comme moi. Combien de fois vous venez vers moi? Combien de fois vous venez vers moi? Je vous ai dit quoi? Libérer les anciens dignitaires, ça peut me donner à réfléchir. Je vais me taire. On n'a pas besoin de votre argent. Mais vous ne comprenez pas. Alou Koundiani, Aliouama. Aliouama. Si vous pensez que c'est en faisant le mal aux autres, que nous autres, on va se taire, continuez. Le type est gravement malade aujourd'hui. El Sisi est gravement malade aujourd'hui. Il a mal au ventre. Il a hépatite B. Donc, le type aujourd'hui, il est souffrant. Il faut qu'on l'évacue à l'hôpital. Problème de santé et Momina. Problème de santé et Momina. Allez au Takatanaï. Criminel, lui, les blalaï romna. Katakata blaï. Ça, aïe fouanyamka. Mais allez à Kéo. Al-Kiama, vous allez dire pourquoi vous l'avez arrêté. Koye El Sisi Masoro. Vous qui êtes derrière. Alou Nafi Mankadeng. Je dis bien. Mankadeng Nafilou. Parce que ils font semblant. Nyangoyalou. Qu'ils sont du RPG. RPG Talié. Soubarakola. Aldi Balalou Wore. Aldi Ale Nyango Burpulou Wore. Ah non. Fakar Saleta. Fakar Seleblanita. Asinita. Abonta. Je vous ai dit. Continuez. Aldake. Aldali yere mangbeya, aldi ba franco kalye mankalu mangbeya. Le régime la agnomake fonoba. Agnomake. Il n'y a rien contre le monsieur. Il n'y a rien contre El Sisi. Maintenant, on le défère du côté de Kindia pour aller le tuer. En quelque sorte, c'est pour aller le tuer. Alta fois, maintenant vous allez avoir la conscience tranquille. Ce n'est pas ce que vous voulez. Faire taire tout le monde. Aïe Sabuto, vous allez garder ça auditoire à la conscience là. Nalta te fils de l'homme baliaï. Nalta te fils de l'homme baliaï. Qu'est-ce que El Sisi a fait? A ma manifestation qui est. A ma morfata al-kama. A ma louneni. Il n'a pas tenu des propos atteinte à la sûreté de l'État. Non. Parce que oui, il est engagé pour la cause du président Alpha Condé. Ça vous dérange. Ça vous dérange. Ceux qui mettent les têtes de mort en Mbarabana, allez mankade nyangbolu. Allez abla. Quand je finis tout de suite là, je vous expose devant tout le monde. Mbarafo pia. Allou mankade nyangbolu. Fisrilom balilou. Djamfantelou. Allou mankade djamfantelou. Mamadi Doumbouya la sababu bon yoramna. Alta ou fanyene. Allou fisrilom balilou. Allez sababu kokumala. Anna djililou ye sababu kokumala sunitere. Et quand on a dit ça, on a dit que c'était un peu plus fort. On a dit que RPG l'a dit. Bibrasé. À cause de vos intérêts personnels. Mon le délou fouato. Pendant ce temps, à lieu chouéni, à l'Ouniakro, ils sont en train de construire. Bala Samoura est en train de construire. Aïe bon sana fambe, dunia fambe. Alou fissili l'homme balilou si ni bouton. Katolou mina kaloub la kasola. On attrape les autres. Mais vous-même, analysez le cas de Guido Fulbe. Il n'y a rien dans le dossier. Il n'y a rien dans le dossier. Et personne n'est derrière ça, c'est le Ousmane Gawal. Tous les anciens de l'UFDG aujourd'hui qui soutiennent Mamadi Doumbouya. Ça dit tous les influents
de l'UFDG, on les met en prison. Regardez la dernière fois, les déclarations, la justice, que Guido Fulbert a menacé le régime d'Alpha Condé. Mais vous qui avez tué la garde présidentielle, vous qui avez fait le coup d'État au président Alpha Condé, vous jugez pour qui? Qui a porté plainte contre? Qui a porté plainte? Lorsque vous êtes venu, vous avez libéré tous les prisonniers. Pourtant, dont on menaçait. Mais lorsque vous êtes venu, vous avez libéré tout le monde. Ça dit, je me dis, ces gens-là, est-ce qu'ils réfléchissent? Ça fait combien de temps que Guido Fulbert est en prison? Les mouvements de soutien au président Alpha Condé, ils n'ont pas pris les armes. Ils disent qu'ils veulent leur président, le président Alpha Condé. C'est El-Sissi qu'on va attraper. Il n'y a rien dans le dossier. On l'attrape, on lui met en prison. D'abord, il était à la gendarmerie. Il n'y avait rien dans le dossier. On le condamne, on le met à la maison centrale. Même malgré ça, il n'était pas satisfait. Il n'était pas satisfait. Ils prennent le jeune, ils l'envoient directement à Kindia. Où on envoie les criminels. Aujourd'hui, son état de santé, il ne peut même pas s'arrêter. Il a mal au ventre. L'eau qu'ils boivent là-bas. Hein? Mais bravo. Calme-toi la Nyangoya là. Ne vous fatiguez même pas. Ne passez même pas par mes proches. Ne me négociez même pas. Entendable là. Et puis bravo. Hein? C'est moi qui disais que non. Vos vies privées et autres là, je ne rentrerai pas dedans. Mais à la Nyangoya m'kosson. Je vais rentrer dans vos paquets maintenant. Kadamina, vos femmes là, vos enfants là, leur vie là, je vais tout étaler ici maintenant. Alma Vokal Nyango, vous n'avez pas dit que vous êtes méchant. La manière dont vos femmes là vivent en Europe, Bala, Idi Amin, Amara, la manière dont tes enfants sont au Canada, les maisons que vous avez achetées. Maintenant, je vais commencer. Parce que j'ai mal pour El-Sissi depuis ce matin là. Alors, c'est maintenant que vous allez bien me connaître. Ça, je vous dis, hein. C'est maintenant que vous allez bien me connaître. Comme Alta Brato Olema, vous voulez tuer les gens. Vous voulez tuer les gens. Et nous, on dosait pour dire non, on co comité à Bella Banto. Vous pouvez ne pas vous entendre avec quelqu'un, mais sini. Allez, moi, je vous le disais, Kakuma. Mais j'ai compris que vous, Nyango Laldi, vous n'êtes pas prêt vraiment. Hankri Talla, quoi. Fisrilon Bali Laldi. Vous gardez les gens Kamolta Kablakasso là. Et on sait comment vous avez libéré l'autre. Chaque enfant, on sait. À démarche ni fait en cas bello, à cause de vos intérêts, en cas long. On sait. Alte Dobonyangoyala. Alte Dobonyangoyala. Parce que tout ce que vous voulez, le soutien. Si El-Sissi avait fait comme les autres aujourd'hui, là, c'était fini. Au lieu d'Ouma Lounia. Minute, la famille. C'est vraiment dommage, c'est vraiment dommage que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Et nous allons demander à tout un chacun, ceux qui peuvent vraiment apporter de l'aide à El-Sissi, vous pouvez le faire. Ses proches, Momo Nadise Kajeske, Beyema Demenike. C'est ce qui encourage les gens aussi à faire le combat. On ne peut pas être là matin, midi, soir, nos vies. C'est que moi, ce que je fais, beaucoup ont envie de faire, mais beaucoup n'ont pas le courage de le faire. Quand certains osent, il faut les encourager. Ayeye, il doit manger. Ayeye, il doit se soigner. Ayeye, akakakako, ça finit. À la santé, bi. À des taux vitamines, nous talanyamka. C'est ça le problème. Ici, on est là, on va dire, le général, on applaudit pour nous. On fait tout pour nous. Mais le jour qu'on va entendre, ah,
Le général, Albarako de quel général là, c'est là maintenant tu veux. Idi Sibutu, ce qui fait mal, c'est pas parce qu'on t'arrête. On t'a arrêté pour un combat noble. Mais c'est quand tu n'as pas de soutien. Tous ceux qui viennent cœur, likez, oh non, Agniko, Agniko. On ne vous dit pas de donner des millions. Mais Berissi Mena, des petits gestes, ça réconforte. Aïdia Mena, Abraham Mena, Fakarsa, même si c'est 10 dollars, à Fakarsa, qui est là-bas, il a donné ça. Là, il s'est dit, oui, vraiment, qu'à la combat, moi, lui, accord. Mais, mon Mie Kassola, qu'est-ce qu'il peut faire? Il a quel revenu? ATC, il ne peut rien faire. Quelqu'un qui est déjà en prison, il ne travaille pas, source de revenus tala. Et c'est là que vous devez encourager les gens. Même Nalma qui est Agne Akelawati Minati. Moi, depuis que je suis là, moi, c'est mon téléphone ça. Même Damaro Kafoko, hein, Damaro, tiens ça là, ton téléphone, moi, c'est ma qui. Mais Agne ya matin, midi, soir. Agne ya matin, midi, soir. Andana Kol Betoui. Moi, je viens de travailler toute la nuit là. Je suis rentré ce matin là. On m'a appelé, on m'a donné les nouvelles de RCC. Al Nya Nya là, je ne suis pas allé me coucher. Mais Nkofo, Anya Kumake, Modolou, Mon Nyumalu, ceux qui sont de côté de Kindia, Naldissé, Walaka, Amademe, ceux de Conakry aussi, Ali, ceux qui sont à l'étranger, les amis de RCC se trouvent là-bas, Aldal Wure, Momo Kamisoro. Ou les nouvelles que toi, c'est ce qui va lui donner le courage, Kafoko, ah! Non, mon lui encore. Mais quand il va rester là-bas déprimé, Kafoko a une finke, on t'a encouragé là, mais bi, on l'a abandonné. Oui, tous les combattants, c'est ce qui décourage les gens. Donc, essayons de soutenir LCC. Anya Mademe, Bro Bedouma. Anya LCC Mademe, Bro Bedouma. Medisemina, Beitake. Beitake, ka LCC Mademe. Voilà. Donc, bonne santé à LCC. Bonne santé à lui. Ne l'oublions pas. Le CNRD a tout fait parce qu'ils ont, vous savez, ils savent qu'à Conakry, il y a beaucoup qui pouvaient aller lui rendre visite. Beaucoup pouvaient faire des petits gestes du côté de la maison centrale. C'est pourquoi ils l'ont isolé. Nyangboya Kosson. Pour l'envoyer du côté de Kindia. Là, il va souffrir comme aujourd'hui, ce qu'il cherchait pour que son état de santé se dégrade. Le monsieur, il a mal aujourd'hui. Même s'arrêter, il a du mal pour s'arrêter. Donc, je vais vous laisser la famille. Comme je l'ai dit, le week-end à venir, si on doit faire du fundraising pour lui, un des fundraising que Berissi Mikela, je vais chercher un numéro du côté de Conakry. Andy Orange Money Lawa Momima pour le soutenir le samedi ou le dimanche. Si Allah le Tout-Puissant le veut, d'ici le dimanche, je vais chercher un numéro de l'un de ses proches qu'on va afficher ici. Momo Efeka Orange Money Lawa Andalawa Okokan Odedi Ama Adese Basilu Talanyamka Adese Vitamine Lu Talanyamka. Mais si on ne fait rien, franchement, c'est décourageant. C'est décourageant. Lorsqu'il était là, lorsqu'il était actif, Betraïla, à travers déplacer là, qu'à communiquer, Betraïla, Nyangbolu, Oleg Balalula, Nyangbolu, les Nyangbo qui sont à côté là. Donc, merci à tout le monde. Lancé DSK Traoré, merci. Moussa Balak, Adja Mariam Kamara, merci. Salut, salikoum. Donc, Momon ADC Dona, qui peut rentrer en contact avec ses proches, vous pouvez les appeler. Jacques Kennedy Loa, merci. Merci à Madina Keita, Alpha Diobalde, Alseni Yaya Traoré. Donc, c'était les nouvelles de LCC. Ça ne va pas du tout. Sa santé s'est dégradée et les autorités, les putschistes refusent, malgré la demande de son docteur pour l'évacuer à l'hôpital. On refuse, ils veulent le garder, ils veulent le torturer. Et c'est pour ces raisons qu'ils l'ont amené à Kindia pour qu'il meure là-bas. Vous savez, le plus souvent, ceux qui vont à Kindia ne reviennent plus.
Donc, foi l'hôtel là, allié mol d'un fois.